Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui, ensemble on peut tout faire. Rex, mécanique costaud. Licorne, mécanique volante. Komodo, mécanique bricoleur. Petite souris, mécanique rapide. Sasquatch, mécanique extensible. Les super mécanimaux, mécanique, faut pas s'en faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. L'île des lapins de course. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour petite chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Votre destination est l'île des lapins de course. Oh chouette, les lapins de course sont vraiment rapides. Exact, petite souris, presque aussi rapide que toi. Et aujourd'hui, c'est le jour de leur grande course. Oui! Ça, c'est motivant! Mais il y a un problème. Les lapins de course ne respectent pas toujours les règles. À vrai dire, ils peuvent être très rusés quand il s'agit de gagner une course. Ces lapins trichent? J'en ai bien peur, petite souris. Mais ce n'est pas juste! Votre mission est de vous assurer que les lapins respectent les règles pendant la course. Mécani, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire! On est parti! Wouhou! On y va! En avant! Youpi! Ouais! Génial! Ouais! Ouais! Nous sommes arrivés sur l'île des lapins de course. Et voilà les fameux lapins de course. Ils sont vraiment très impressionnants et ils ont des moteurs très puissants en plus. Regardez leur incroyable piste de course. Il y a des boucles, des tunnels et même un pont. Ce doit être amusant. Oui, ça c'est sûr. Oh, on dirait qu'ils sont prêts à foncer. Ils veulent qu'on annonce le départ en abaissant le drapeau de la course. Je veux abaisser le drapeau. Je veux abaisser le drapeau. Youhou. Attention, lapin de course. À vos mains. Prêt. Je n'ai pas dit partez. Petite chouette de l'île nous a dit qu'il ne respecte pas trop les règles. Il faut retourner à la ligne de départ. Je n'ai toujours pas dit partez. Ces lapins sont incontrôlables. Retournez à la ligne de départ. Sasquatch, fais attention, les lapins de course sont un peu nerveux. Komodo, il faut que tu le saches, les lapins de course sont un peu nerveux. J'en étais sûr. Ces lapins ne vont jamais démarrer la course comme il faut. Si seulement il y avait un moyen de les maintenir à la ligne d'arrivée jusqu'au signal de départ. Avec une barrière, une corde ou autre chose. Petite souris, est-ce que tu vois une barrière ou une corde dans les parages? Non, mais peut-être que quelqu'un pourrait s'étirer pour maintenir les lapins derrière la ligne jusqu'au signal. Mais qui peut faire ça? Mais une minute, je viens d'avoir une idée. Je pourrais m'étirer et retenir les lapins derrière la ligne jusqu'au signal. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Admirez le puissant Sasquatch. Mécanique extensible. Mmh.
Les lapins de course sont tous derrière la ligne. Aucun ne va partir avant que tu ne dises... À vos marques, prêts, partez! Et c'est un départ! Ils sont vraiment très rapides! Et vraiment très malins! Regardez, celui-ci essaie de prendre un raccourci! Allez les amis, c'est à nous de faire en sorte que la course passe dans les règles! Attrapons ce petit malin! Ce lapin est trop rapide pour que je l'attrape! Je n'y arrive pas non plus. Je suis très sensible au niveau des pieds. Mais comment allons-nous faire pour attraper ce lapin de course? C'est impossible. Rien n'est impossible pour les super mécanimaux. C'est un travail pour... Petite souris. Mécanie rapide. Petite souris fonce, elle est rapide. Aussi rapide qu'une fusée. Mais ce lapin n'arrête jamais de bouger. Tu vas vite, lapin. Mais moi, je suis mécanique rapide. Ch'tii! Maintenant, retourne sur la piste et reste dans la course. Génial! Le lapin de course est de retour sur la piste. Beau travail, petite souris! Merci, Rex. C'était vraiment très amusant. Il ne reste plus qu'un tour. On devrait se rendre à la ligne d'arrivée, au cas où il y a un autre lapin qui manigance quelque chose. Une manigance? C'est une autre sorte de lapin? Non, manigancer, ça veut dire jouer un vilain tour, comme les lapins de course aiment visiblement faire. Comme ça? Mais d'où est-ce que ce lapin vient de décoller? C'est pas vrai, il s'était lancé en l'air à partir de cette boucle. Je vois ce qu'il essaie de faire. Il essaie de dépasser les autres lapins en volant pour gagner la course. Il manigance! Il faut ramener ce lapin! Mais comment? Il est bien trop haut dans le ciel! Je ne sais pas voler! Et moi non plus! Je ne sais même pas sauter très haut! Mais pauvre putain! Est-ce que quelqu'un a dit voler? Ça, c'est un travail pour moi! Place à licorne! Mécanie volante! Les lapins vont entamer la dernière ligne droite, vite! C'était assez bien joué, cher lapin. Mais tu dois respecter les règles. Donc je vais te ramener sur la piste. Ce petit lapin tricheur est de retour. Bon travail, licorne! Regardez, la course est presque terminée. Finalement, nous avons permis que la course se passe dans les règles après quelques manigances. Les super mécanimaux, mission accomplie. Je me demande qui va gagner. On ferait mieux d'aller à la ligne d'arrivée pour le découvrir. Je veux abaisser le drapeau. Je veux abaisser le drapeau. Sasquatch, non. On n'abaisse pas le drapeau à la fin d'une course. C'est seulement pour le départ. Hein? Oh non! Les lapins pensent qu'une nouvelle course a commencé. Komodo, savais-tu qu'on ne doit pas abaisser le drapeau à la fin d'une course? C'est seulement au départ. Tu vois, on en apprend tous les jours.
Nous devons nous assurer à nouveau qu'ils font ça dans les règles. Mécanie, en sommes-nous capables? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire. Je vais prendre ça.